Il y a 30 ans, jour pour jour, les Pingouins affrontaient les North Stars lors du match numéro 2 de la finale de la Coupe Stanley. Mario Lemieux marquait alors ce qui allait devenir l'un des buts les plus mythiques de l'histoire du hockey. Il acceptait la passe ratée de Phil Bourque derrière lui avant de passer en 5e vitesse et de se moquer de Sean Chambers et du gardien John Casey. Pour fêter le 30e anniversaire de ce magnifique but, je vous ai concocté une vidéo au sujet des nombreux joueurs qui ont bénéficié de jouer aux côtés de Mario Lemieux. Commençons ça en force avec Warren Young, qui est sans doute le plus sombre inconnu de cette liste. Repêché en 1976, Young a mis presque 10 ans à s'établir au hockey professionnel. Ça lui aura fallu plusieurs saisons de dur labeur dans la Ligue américaine avant de mériter un poste avec les Pingouins, et ce, à 28 ans. Son entrée en matière dans la Grande Ligue coïncidait avec l'arrivée de Mario Lemieux, le tout premier choix au repêchage de 1984. L'impact du magnifique sur la production du bon Warren fut instantané. Grâce à l'aide de Mario, Young a pu inscrire un total de 40 buts et 72 points, un sommet qu'il ne saura atteindre à nouveau par la suite. Dès l'été suivant, les Pingouins l'ont échangé aux Red Wings de Détroit contre une compensation financière et les succès offensifs de Young se sont éteints aussi vite qu'ils sont apparus, telle une chandelle au vent. Vous connaissez tous sans doute Randy Cunningworth parce qu'il a dirigé le Canadien le temps de 50 matchs en 2011-2012. Certains d'entre vous apprendraient donc qu'avant ça, il a été un hockeyeur qui a roulé sa bosse pendant plus de 800 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Et c'est avec les Penguins de Pittsburgh qu'il a connu ses meilleurs moments et de loin. En 295 matchs avec les Penguins, passés en majorité en compagnie de Mario, Cunningworth a accumulé 216 points, ce qui constitue plus de 50% de tous ses points dans la Grande Ligue. D'ailleurs, il a pu atteindre le plateau des 25 buts à 3 reprises avec les Pingouins. Après son départ de Pittsburgh, Randy s'est recyclé en joueur de 3e et 4e trio et il n'a pu faire mieux que 2 saisons de 36 points. Disons que c'est pas la mer à boire. En 1986, les Pingouins cherchaient désespérément un jeune et fringant coéquipier pouvant compléter à merveille la vision du jeu de Mario Lemieux. Pittsburgh a donc sacrifié Mike Bullard, un ancien marqueur de 50 buts vieillissant, pour acquérir Dan Quinn des Flames de Calgary, une jeune sensation d'à peine 21 ans. La réunion de ces deux genoux a été bénéfique pour les Pingouins. Lors de ses 3 saisons aux côtés de Mario, Quinn a pu montrer des fiches d'un point par match et il a accumulé 111 buts en 254 matchs. Cependant, Quinn montrait des signes de ralentissement en janvier 90 et les Pingouins s'en sont débarrassés assez vite, merci. S'en suivit une période assez trouble pour l'attaquant. Entre 1990 et 95, Quinn a joué pour 7 équipes différentes, incapable de répéter les mêmes succès offensifs d'antan. Mentionnons aussi au passage qu'il a été accusé d'agression sexuelle en 1992. Disons que sa carrière a pas mal terminé en queue de poisson. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a cliqué rapidement entre Mario Lemieux et le jeune Rob Brown. Après avoir brûlé la Ligue junior de l'Ouest, Brown était prêt à faire la pluie et le beau temps aux côtés de Mario dès ses 19 ans. C'est à sa saison de 20 ans toutefois qu'il a pris son envol. Jumelé à Mario, Brown a récolté 49 buts et 115 points. C'est d'ailleurs la 4e meilleure production en une saison dans l'histoire de la Ligue nationale par un joueur de 20 ans. Cependant, Brown n'a pas pu maintenir ce train d'enfer et voyant que sa production chutait d'année en année, les Pingouins l'ont inclus dans l'échange qui allait amener Ron Francis à Pittsburgh en 1991. Après quelques saisons en deçà des attentes, Brown a dû se résigner à aller jouer dans la Ligue internationale de hockey, là où il a quand même remporté 3 championnats des compteurs consécutifs. Mais disons que c'était pas mal moins glamour que de jouer à la droite de Mario Lemieux, hein? Lors de sa sélection au 6e tour du repêchage de 1983, peu de gens prédisaient une carrière fructueuse à Kevin Stephens. L'attaquant format géant a donc roulé sa bosse au niveau collégial américain avant d'obtenir sa chance avec les Pingouins à 23 ans. Son style de jeu cadrait extrêmement bien avec Mario Lemieux car grâce à ses coups d'épaule, il donnait tout l'espace voulu au magnifique. En plus de ça, il savait bien se positionner, ce qui lui permettait d'enfiler les grilles à de nombreuses reprises. Stephens a donc connu 4 saisons de suite d'au moins 40 buts et 80 points, dont 2 de plus de 50 buts et 110 points. Son jeu fougueux a toutefois fini par le rattraper et il a subi de nombreuses blessures. Les Pingouins n'ont eu d'autre choix que de s'en départir en 1995 et loin de Mario, Stephens, qui était vieillissant, a été incapable de répéter les mêmes statistiques. Ses insuccès en fin de carrière ont dû l'affecter sur le plan psychologique car il a dû entrer en cure de désintoxication lors de la saison 1999-2000. Et de nos jours, il continue de combattre ses démons.
Bref, cette vidéo ne se voulait qu'une sympathique et courte liste de nombreux joueurs qui ont bénéficié de l'apport de Mario Lemieux. J'aurais pu y ajouter des joueurs comme John Cullen, Rick Tocchet, Martin Straka ou Alex Kovalev, mais on n'a pas toute la journée, hein. Donc, si vous connaissez d'autres joueurs dignes de mention, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo parce que j'aime ça, vos encouragements. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye!